vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi 10. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mardi 10 décembre. Roxane fait toujours dodo puisque ce matin, elle n'a pas école vu que sa maîtresse est absente et que le remplaçant est malade. Sarah a passé une plutôt bonne nuit. Oui, dans le fond, mais du coup, le réveil a été très compliqué parce qu'elle a très mal à la gorge, elle n'arrête pas de tousser, ça lui donne envie de vomir, etc. Donc ce matin, on lui a donné du Doliprane, son sirop, je lui ai nettoyé son œil parce qu'il est toujours aussi rouge qu'hier. Donc j'ai envie de vous dire que tout va bien. Voilà. Bref. Donc là, on va ouvrir les calendriers et les chaussettes. Mmh. Et puis après, ça sera direction l'école. Bah oui. Et on verra si elle tient la matinée. On verra bien. Ça sera déjà bien si ça elle tient la matinée. Ouais. Allez. Ouais, c'est le bazar sur le buffet aussi. Ouais. Faut que je range. Hein. Chocolat. Encore un chocolat. Un chocolat. Allez. Hop. Oui, on t'attend. Les chaussettes. Qu'est-ce que c'est? Les chaussettes. Fais voir. Et l'autre côté? Waouh, elles sont belles, hein? Après. Ouais. C'est bon? Qu'est-ce que tu fais? Mets mes chaussettes. Tu mets tes nouvelles chaussettes? T'es si contente que ça d'avoir des chaussettes? Va. Bah alors. Oh là là, elles sont belles, hein? Elles sont trop grandes. Mais non, elles sont pas trop grandes. C'est juste que c'est des grandes chaussettes. Pour avoir bien chaud. Trop jolie. Je suis super contente, j'ai déjà fait toute ma salle. Mathieu ce matin m'a fait la cuisine, donc il me restera plus que mon linge et les chambres à faire quand Roxane sera réveillée, évidemment, puisque là elle dort et elle a bien raison de dormir. Ça va lui faire du bien, elle n'a pas école ce matin, elle a bien raison de dormir. Donc là il est 8h15, les filles viennent de partir à l'école, Mathieu est en train de gratter le pare-brise. Je ne peux pas vous montrer parce que en fait j'ai laissé mes rideaux fermés là. Mais il est en train de gratter le pare-brise. Ce matin, on avait la porte du camion, enfin de la grosse voiture là, du 9 places qui était collée. Tellement ça a gelé ici, c'est fou. Mathieu est tiré comme un grand malade là, parce que ça a complètement gelé. Donc là, il est en train de gratter. Mais je disais à Mathieu, il va falloir qu'on achète un grand grattoir. Il y a des grands grattoirs à Action pour justement les grands pare-brises comme nous. Parce que là, il a le tout petit grattoir, mais pour arriver en haut, c'est un peu compliqué. Donc du coup, là, il est en train de gratter. Je ne sais pas si on va le voir dans la cuisine. Il est peut-être déjà parti. Non, il n'est pas encore parti. Mais je ne sais pas si on va le voir gratter. Non, il est déjà dans la voiture. Mais vous voyez, on voit bien le pare-brise qui vient d'être gratté. Voilà. Bref, il fait hyper froid ce matin. Du coup, j'ai carrément bien couvert Sarah. Je lui ai mis un gros polaire qui monte jusque là pour qu'elle ait bien chaud. Là, avec le Doliprane, elle me disait que ça allait mieux, qu'elle se sentait mieux. Donc, du coup, tant mieux. Et puis, voilà. Donc, moi, le reste de mon ménage, je le ferai quand Roxane sera réveillée. Parce que là, je ne vais pas la réveiller avec l'aspi ni avec la machine à laver. Parce que la machine à laver, le mur de la salle de bain donne sur sa chambre. Donc, en fait, ça ferait trop de bruit et ça la réveillerait. Donc je ferai ça quand elle sera réveillée. En attendant, moi je pense que je vais me poser tranquillement dans le canapé parce que pour l'instant je ne peux rien faire tant qu'elle dort. Voilà. Oh bah ça va mieux. Oh. Qu'est-ce que tu regardes? Oh. C'est quoi? Hein? Ah bon? La patrouille. Bon, ma petite poulette, elle vient de se lever, il est 10h15. Elle m'a fait un gros dodo, ce bébé, hein? T'as fait un gros dodo? C'est quoi? Ouais. On va aller regarder ce qu'il y a dans la chaussette? On va aller chercher le cadeau? Et qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier? Tu veux? Que tu veux? J'en ai rien à péter. Ah, je suis décidée à voir ce qu'il y a dans ma chaussette. Vas-y, mon bébé.
Bah, vas-y. Regarde. Vas-y, regarde, il y a quelque chose dedans. Qui arrive? Non? Attends, maman va l'attraper. Attention. Ah! Un puzzle avec des cubes. On va l'ouvrir. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu dur ça pour toi. Elle m'a mis du Nutella partout sur la table. Va? Qu'est-ce que c'est? Du chocolat? Attends. Regarde. Hop, tiens. Ah, je perds pas de temps pour le manger. Je le mange tout de suite. Mmh. Ah, tu dis coutante. Tu m'en donnes un bout? Tu me donnes un bout de chocolat? Ah. Bah. Allez, mange mon cas. Bon, les amis, c'est parti. J'emmène... Enfin, on emmène les filles à l'école, du coup, que les jumelles, puisque... Hein? Ah. On emmène que Romane et Raphaël, puisque, du coup, Sarah se plaint de grosses douleurs à l'oreille. Donc je pense qu'elle a une otite parce qu'elle pleure. En plus là, elle est en train de faire une montée de fièvre. Elle est arrivée, elle n'avait pas de fièvre et depuis qu'elle se plaint de douleur à l'oreille, la fièvre est en train de monter. Donc je vais redonner du Doliprane. On attend 14h là pour savoir si le médecin peut nous prendre aujourd'hui entre guillemets en urgence pour que l'otite soit soignée parce qu'une otite ça fait super mal. Donc du coup là, Mathieu va aller voir la maîtresse à Sarah. Lui dire que on essaie d'avoir un rendez-vous pour Sarah parce qu'on pense qu'elle a une otite. Donc voilà, et puis après on va à un endroit avec Mathieu. Voilà. Bon voilà, Romane et Raphaël sont partis à l'école. Sarah est toujours dans la voiture du coup. Hein. On attend 14h parce que le médecin n'ouvre qu'à 14h. Donc il faut qu'on attende 14h. Donc là il faut qu'on aille à Action. Donc normalement c'était prévu qu'on y aille que Mathieu et moi avec Roxane hein, évidemment. Oula, je zoome sur moi là comme ça. C'était prévu qu'on y aille que avec Roxane parce que c'est pour re-remplir les chaussettes parce qu'on arrive au bout des jouets. Donc il faut faire le réassort jusque Noël quoi. Mais bon là du coup petite mère elle y est pour rien. Donc c'est pas grave, elle va venir avec nous et puis voilà, en espérant que le médecin nous prenne assez rapidement. Et qu'ils ne nous fassent pas attendre demain, c'est ce qui me fait un peu peur. Ah parce oui, que sinon, on va passer une nuit catastrophique. Mmh. Donc on verra bien. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Bon les amis, on est sortis de Action en 4e vitesse. On n'a même pas tout ce qu'il nous fallait, mais c'est pas grave, on y retournera. On a ce qu'il faut pour peut-être finir la semaine. Oui, je crois qu'on a... Oui, pour finir la semaine. Enfin bref, de toute façon, même si on n'a pas ce qu'il faut, on y retournera, c'est pas grave. Mais le médecin nous prend Sarah là à 14h45 et il est 14h20. Donc on se dépêche, on file vite au médecin. Comme ça, elle sera soulagée et puis elle aura un arrêt pour l'école et on sera tranquille et puis voilà. Donc c'est parti, go! On se retrouve après le doc pour vous dire ce que Sarah a, mais pas de grande surprise, je pense qu'il va nous dire une otite, mais bon, on verra. Oui, tout à fait.
Bon voilà, on est sorti du médecin. Résultat, elle a une otite, hein, comme on l'avait dit. Par contre, une grosse otite puisqu'elle est sous antibiotiques, elle est sous Augmentin, Sarah. Voilà, Augmentin, Otipax, Pivalone pour le nez, Doliprane pour la douleur, Advil pour le... Et en complément pour le... Comment ça s'appelle ? Inflammation, c'est ça qu'il a dit. Parce que c'est très enflammé dans son oreille, c'est très rouge. Donc là, il lui a mis un gros cocktail. Donc elle est à la maison jusqu'à vendredi inclus. Donc elle retournera à l'école lundi, comme on l'avait dit. J'aurais pu être médecin. Enfin, en ayant plein d'enfants à la maison, maintenant, on sait à peu près le nombre d'arrêts, le jour d'arrêt, les médicaments. Enfin, je ne pensais pas qu'elle allait être sous Augmentin. Je savais qu'il y a Otipax, oui, mais Augmentin, je ne pensais pas. Mais là, il a dit que c'était quand même balèze. Donc bon. Là, on file à la pharmacie, du coup, pour aller chercher tout ce petit cocktail. Après, selon l'heure, on rentrera probablement à la maison pour que Mathieu y mette les gouttes et lui donne tous ses médicaments. Parce que moi, j'aime pas mettre les gouttes dans les oreilles. Donc ça, c'est Mathieu qui va s'en charger. Et puis, après, on ira chercher Raphaël. Mathieu ira chercher Raphaël puisque Romane a soutien aujourd'hui. Là, elle a son heure en plus. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête, mais pour l'instant, elle l'a toujours. Donc voilà, puis en rentrant, je pense que les filles vont dormir un petit peu, Sarah et Roxane. Roxane, c'est sûr qu'il faut qu'elle dorme au moins une heure, parce qu'elle n'a pas du tout fait de sieste depuis ce matin qu'elle est levée. Donc même s'il est tard, il faut qu'elle dorme au moins une heure. Et ça serait bien que Sarah se repose aussi un peu. De toute façon, comme elle va avoir l'Augmentin, elle va dormir, parce que c'est un antibiotique, donc ça fait dormir. Et l'Advil l'a fait dormir, donc... J'ai envie de vous dire que de toute façon, ça va vite être réglé. J'espère juste qu'elle sera rapidement soulagée. Parce que là, elle a vraiment très mal, petite mère. Voilà. Donc c'est parti, direction pharmacie. On est rentré, les amis. On a mis les petites gouttes dans les oreilles à Sarah. On lui a donné de l'Augmentin, enfin son antibiotique, mais pas encore de l'Advil. Ça va pas tarder parce qu'en fait, comme on lui a donné du Doliprane, à midi, faut un temps de 4 heures entre le Doliprane et l'Advil. Donc du coup, on ne pouvait pas encore lui donner. Mais déjà là, les gouttes lui ont déjà soulagé l'oreille par rapport à ce qu'elle était au médecin. Parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer et tout au médecin, petite mère. Et là, elle dit que ça siffle plus déjà dans son oreille, rien qu'avec les gouttes. Donc ça, c'est cool. Voilà. Mis à part ça, Mathieu et moi, on est complètement claqués du coup. Parce que comme on a fait ça dans l'urgence, on s'est dépêchés, etc., etc. On est carrément claqués, mais bon, c'est comme ça. Il reste encore Romane à aller chercher. Là, Mathieu a déjà été chercher Raphaël, on a pris le goûter. Il ne restera plus que Romane à récupérer. Raphaël, il faut qu'elle fasse ses devoirs aussi, là. Ouais. Elle est partie, là, Raphaël se laver avec Sarah pour qu'elle surveille en même temps qu'elle ne mette pas de l'eau dans son oreille. Et puis voilà, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller se coucher, nous. Hein, c'est vrai, monsieur Hibou. Oh, ouais. Mon lit me manque. T'es loin, hein? Ouais. Il me fatigue. Bon, les amis, il est 6h30, donc on est en train de préparer à manger. Et comme vous avez été nombreux à nous demander la recette des gnocchis avec la sauce tomate et le gruyère, eh bien, on va vous filmer la recette. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je me paye à parler comme ça, je n'en sais rien, il faut que j'arrête. Bref, allez. Donc, du coup, les gnocchis, nous, on prend les turini. Donc, faut bien suivre ce qu'ils disent. Donc, pendant 2 minutes, ils disent dans un filet d'huile d'olive, d'huile ou de beurre, peu importe, comme vous voulez. Vous saisissez les gnocchis pendant 2 minutes à feu fort et après, vous laissez cuire vos gnocchis à couvert pendant 4 minutes en retournant les gnocchis de temps en temps. Donc ça, il faut vraiment le faire parce que c'est vraiment important pour la suite de la recette. Donc là, nous, on a mis nos petits gnocchis pendant les 2 minutes à feu fort et après on mettra les gnocchis à 4 minutes pendant 4 minutes à feu moyen recouvert. Ensuite, une fois que ça sera fait, vous prenez un plat tout simplement. Vous allez mettre un petit peu de gnocchi au fond, un petit peu de bolo, un petit peu de gruyère, un petit peu de gnocchi, un petit peu de bolo, un petit peu de gruyère, un petit peu de gnocchi, un petit peu de bolo, un petit peu de gruyère. Vous finissez par le gruyère et vous mettez ça au four jusqu'à temps que votre gruyère soit légèrement gratinée, fondue, selon vos préférences. Et voilà la recette des gnocchis. Oui, c'est ça?
crapé. Non. Ouais. C'est mais simple, c'est bon. Rapide et c'est bon. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de viande parce que les gnocchis avec le gruyère et la bolo, je peux vous dire, c'est plus que bourratif. C'est suffisant. Vu que le soir, il paraît que c'est pas bon de manger de la viande pour la digestion, et ben là, on est bien, moi, je trouve. On est pas mal. On il resterait plus mal. Que tu apprennes à faire la bolo maison et les gnocchis maison et on ferait tout maison. Oui, mais après, j'aurais une toque, tu vois. Ouais, tu serais chef. Les gnocchis, il n'y a pas assez fait, pas faire, moi. C'est quoi le truc? Je cherche les... des gnocchis. Encore des gnocchis. Non, c'est pas ça. Ça, c'est encore. Des gnocchis, des kiki. La poêlée, de le sucre. Ah oui, des gnocchis, des kiki. Bon, d'accord, on arrête. Allez, faisons à manger. Écoutons les petits gnocchis cuire. Ah ouais, on les entend bien. Hein. Un petit peu de gnocchi, un petit peu de bolo, un petit peu de gruyère. Un petit peu de gruyère. Bah, là, il a mis le paquet, le monsieur Hibou. Oh, il faut que ça tienne au corps en hiver. Un petit peu de gnocchi. Hop. Hop. De moi. Faut que ça me s'occupe de moi. Oh là là, les yeux, ma bichette. Tu fais peur. Un petit peu de gnocchi. Ça, c'est trop, papa. C'est pas. Mais non, je suis. Bah oui, papa est fini là. Je vais y arriver, hein, peut-être un jour. Oui, nous sommes patients, nous attendons. J'ai pas pris la meilleure des cuillères pour faire ça, et je reconnais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Le reste de bolo. Bon, je pense quand même le mieux, c'est de faire de la bolo maison, mais bon. Ah oui, oui, je pense. Nous, on n'a pas vraiment le temps, surtout aujourd'hui. Ouais. En particulier aujourd'hui. Un petit peu de bolo, ce qui permet que le gnocchi soit beaucoup moins sec, parce qu'à la base, un gnocchi, c'est hyper sec quand même. Hein. Tu confirmes? Il est complètement atteint aujourd'hui. C'est toi qui es sous antibio ou quoi? S'il n'y avait qu'aujourd'hui, ce serait pas mal, mais c'est pas qu'aujourd'hui. Et on finit par le gruyère. Et voilà. Oh, c'est magnifique. C'est merveilleux. J'en ai marre. Non, je pars. Adieu. J'en ai marre de tes bêtises. Ça suffit. Bon, je reviens. T'as fini tes bêtises, t'es calmé? Non, mais en fait, ce qu'il faut vraiment dire, hein, la vérité, c'est ouais. Que tu m'as épousé pour ça, parce que je disais tout le temps les conneries. C'est pas faux. Bon, pas que, mais le reste... Tu as été mon rayon de soleil dans ma triste vie. Pourquoi j'ai été? Je bah, aujourd'hui, plus. Tu es tu mon... Tu viens de me dire... Mais écoute-moi! Aujourd'hui, tu es mon rayon de soleil, tu es mon arc-en-ciel, tu es... Encore enfin, non, après tu vas plus en pouvoir. Bon, ça y est, t'as fini de mettre le gruyère? Oui, t'as vu, j'en ai laissé. Hein. Maintenant, oui, tu en as laissé un tout petit peu, quoi. Et maintenant, on met au four. Voilà. Bon, les amis, il est 20h45. Roxane est déjà au dodo parce que du coup, elle a dormi quoi? 10 minutes dans la voiture? Ouais, à peu près, ouais. Et elle n'a pas refait de sieste, elle n'a pas voulu aller se recoucher. Donc, on l'a couché tôt, même si demain, c'est mercredi et qu'il n'y a pas école. On l'a couchée de bonne heure parce que là, elle n'en pouvait plus. Elle pleurait parce qu'elle était fatiguée et tout. Donc, on l'a couchée. Là, les filles, enfin, Romane et Raphaël, on vient de leur dire d'aller se coucher. Et puis, Sarah, on attend que les médicaments fassent effet, mais ça ne devrait pas tarder. Et elle va aller au dodo aussi. Là, elle me disait qu'elle avait l'oreille encore qui lui faisait encore un peu mal, mais ça siffle plus. Ça fait plus de bulles dans son oreille parce qu'elle nous disait que ça faisait des bulles ou que son oreille bâillait aussi. Je pense que. Le tympan faisait comme ça et du coup ça faisait des drôles de sensations dans l'oreille. Des drôles de bruit, ouais, effectivement. Ouais. Donc du coup elle a plus ça avec les gouttes. Je pense qu'elle va bien dormir cette nuit avec les antibiotiques. Non, on va peut-être attendre 10 heures par contre pour la coucher parce qu'à 10 heures elle doit reprendre du doliprane. D'accord. Donc on va peut-être attendre 10 heures pour qu'elle passe une bonne nuit et qu'elle soit pas réveillée durant la nuit. À cause de son oreille. Bah ouais. Mais bon, je suis super contente que le médecin nous ait pris en urgence comme ça cet après-midi. Parce que je ne sais pas comment on aurait fait. Parce qu'elle était vraiment. Ça, c'est sûr, mais alors au plus mal au médecin. Ouais. Elle a pleuré. Elle n'a pas pleuré quand il l'a ausculté. Mais alors après, même lui, il disait oh ma bichette. Hein, c'est vrai. Ouais. Petite mère, elle était vraiment super mal. Il disait ça fait super mal une otite. Et c'est vrai parce que Roxane, quand elle en fait, c'est hyper douloureux. Bah, je pense que ça se tapait la tête contre les murs. Quoi. Moi, j'en ai déjà fait des énormes, des otites à appeler le SAMU, tu te rappelles et franchement, ça fait super mal. Alors du haut de ses 5 ans, c'était pas évident. Donc heureusement, il nous a pris tout de suite et il a donné
le bon traitement qui l'a soulagée automatiquement. Tout donc, de suite, ouais. Bah, je pense qu'en fait, dès qu'elle est rentrée de l'école, elle nous a dit « Maman, j'ai mal à l'oreille ». Tout de suite, on a dit « Ça sent l'otite, on va au médecin ». Donc en fait, on l'a pris dès le début. Ouais, je pense que c'est aussi pour ça. Parce que Sarah m'a dit « J'avais pas mal à l'oreille ce matin, j'avais que mal au ventre et à la tête ». Donc je pense que l'otite est arrivée vraiment sur l'heure du midi, quoi. Ouais. J'ai une mèche en mode rebelle. Bref. Donc du coup, je pense qu'on a pris l'otite tout de suite. Donc ça va passer relativement vite. Mais bon, du coup, elle est arrêtée jusqu'à la fin de la semaine et c'est pas plus mal. Oui, ouais. Ça va permettre qu'elle se repose. Après, elle fera sa dernière semaine avant les vacances. Et puis voilà, ça et sera très bien. De toute façon, on l'avait dit, hein. On avait dit dans les derniers vlogs que quand Sarah allait tomber malade, elle n'allait pas nous le faire à moitié. Ben voilà, elle ne nous l'a pas fait à moitié. Bref, heureusement, Romain et Raphaël sont pas malades. Non. On a Roxane qui est toujours le nez qui coule, plus, puis elle tousse. Vous l'avez vu ce matin dans le vlog, quand je la filme au tout début. Petite merde. Bah, heureusement, on a eu un commentaire d'une abonnée. Qui nous a expliqué un peu. Enfin, on se doutait. Oui, qui nous disait qu'elle était ATSEM et que c'était normal qu'elle soit malade parce que ça s'appelle le. Truc croisé, je ne sais plus quoi. La contamination croisée. Voilà. C'est ça. En fait, ils mettent tous les objets à la bouche, donc du coup, ils chopent tous les microbes des uns et des autres. Voilà. Donc du coup, c'était pour ça qu'elle était autant malade. Donc merci, cher abonné, parce que, alors, avec tout le nombre de commentaires, je ne retiens pas vos prénoms. Hein. Clairement, je lis vos commentaires, mais je ne lis pas spécialement les prénoms. Sauf les prénoms que je connais qui reviennent assez souvent. Oui. Mais merci, parce que du coup, bah, ça rassure un peu. On ne se dit pas, c'est bizarre, elle a un petit système immunitaire. En fait, non. C'est juste que. Et puis, ça nous permet de les partager avec vous aussi. Oui, voilà. Parce que voilà, s'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que nous, en se disant, mais quand elle était à la maison, elle était très peu malade. Elle part à l'école, elle est tout le temps malade. Ouais. Puis là, c'est tout le temps. Hein. Toutes les semaines, elle nous ramène un rhume, une otite, une angine. Elle va tout nous faire, je crois. Ouais. Après, comme je disais hier, je crois que c'est hier, je disais ça, ça aide à fortifier, je présume, le système immunitaire. Sûrement, Mais bon, c'est pénible pour elle, quoi. Ouais, c'est pour nous, mais pour elle, aussi, surtout. Mais bon. Ouais. Ah, voilà. Donc demain, on est mercredi. Oui, on est mercredi, demain. J'ai tout le monde à la maison. En plus, demain, il faut démonter le lit des jumelles pour l'arrivée de ma soeur. Ouais, tout à fait. Faut que tu demandes les matelas au lycée. Ouais, tout à fait. Voilà, on a encore une semaine qui n'est pas finie. Non. Parce que demain, il faut démonter le lit, il faut préparer la maison. Et il faut. Samedi, jeudi, on fait les courses. Vendredi, les filles vont chez leur mère. J'ai le. C'est la semaine d'après. Vendredi d'après, j'ai le spectacle de Noël de Sarah. Vendredi, les filles vont chez leur mère. Et samedi matin, on va chercher ma soeur à la gare. Donc, donc ça va vite. Ça va vite être là, ouais. Ouais, la semaine va vite passer. J'en ai marre de cette flèche rebelle. Bon, bref. C'est mieux. J'en ai marre. C'est mieux. Et tu t'es moqué de moi tout à l'heure, je me moque de toi maintenant. Je ne suis pas moqué de toi. Si, tu m'as dit que je mettais beaucoup trop de gruyère. Oh, j'ai le droit de te taquiner de temps en temps. Non. D'accord. Mais si, t'as le droit. Enfin bref, bon allez. Nous, on va vous laisser là. On va aller s'occuper de notre grande malade qui est là sous le bras, Mathieu. Non, l'autre bras. Côté. Elle est vraiment derrière moi. Elle est dans le lit, quoi. Elle est couchée. On va vous faire tout plein de gros bisous. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog. Et puis, on vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de blablater de notre chaîne. Ah, ça marche aussi. Ouais, ça marche. on est au plus proche là. On n'a jamais été aussi proche. Ah non, des 1000, oui. Non, il ça, nous c'est manque sûr. Plus que 20. C'est ça qui me 25, disait, que je crois, 25. Oui. Parce que on tout à l'heure, on était à 975. 975 ou 25. 25 abonnés. On est à ça, les amis. Ça, des 1000 abonnés. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, 975. Franchement, c'est trop cool. On est trop contents. Ça y est, c'est reparti, comme on vous disait pendant un temps là, ça bougeait plus. On pense que c'est YouTube qui fait en sorte que ça bouge plus trop pendant un moment, et puis là c'est reparti à fond. Comme en 40. Ouais. Hein. Ouais. Et tant mieux, c'est cool, c'est sympa. Plus de 25 abonnés, donc si demain vous avez 25 personnes qui pourraient s'abonner, ce serait pas mal. Ce serait gentil de votre part. On vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à demain. Ciao les amis.